Du siège de l'Union internationale des télécommunications à Genève, je suis ravi d'avoir avec nous M. Dominique Vurgès, qui est vice-président de la Commission 3 et qui est aussi un dirigeant au sein de Orange Group pour les aspects de normalisation, de régulation, de relations institutionnelles. Dominique, bienvenue. Merci M. Jamoussi. Effectivement, donc, je suis ravi de participer à ces travaux de la Commission d'études 3. Une commission au sein de laquelle Orange participe depuis de nombreuses années. Et comme vous savez, donc on a une particularité, c'est que Orange est actif à la fois dans les pays en développement, mais également dans les pays développés. Et donc les activités pour nous de la commission d'études 3 nous permettent d'avoir une bonne relation, une bonne vision, analyse, et puis surtout de proposer des solutions qui sont opérables un peu partout dans le monde. Donc d'où l'intérêt de notre participation aux travaux de la commission d'études 3, où je ne suis pas tout seul d'ailleurs, puisque une de nos fillettes est également activement représentée, hein, donc Orange Sénégal, Sonatel, donc participe également à ces travaux-là, donc pour montrer tout l'intérêt et l'attachement qu'on a aux travaux de cette commission. Je suis doublement ravi de vous avoir avec nous au studio aujourd'hui, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de télécommunications et de la société de l'information. C'est l'anniversaire de l'UT, le 17 mai 2019, et 17 mai 1865, a une particularité qui peut être proche de chez vous, en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Exactement. Donc, pour les personnes, on a fêté il y a quelque temps le 150e anniversaire de l'UIT. Et en fait, l'UIT avait été créée à Paris. Donc, à l'époque, c'était la Convention internationale du télégraphe, donc, qui avait été créée, officiellement signée le 17 mai 1865. Et le secrétaire général donc, était venu participer aux célébrations de cet anniversaire. Le traité avait été signé dans une salle qui aujourd'hui existe encore, hein, le salon du Quai de l'Horloge du ministère des Affaires étrangères. Donc, quelque chose qui était très, très marquant et quasiment, c'est un des plus anciens traités internationaux qui existe et qui fonctionne, et je dirais même qui, au travers des activités de l'UIT, donc a connu une activité florissante, puisque l'UIT, qui à l'époque s'occupait de télégraphes, aujourd'hui s'occupe de toutes les technologies et traite des questions de fréquence et de radiocommunication. Donc on peut dire que c'est un beau succès, et cet anniversaire est l'occasion de le célébrer et de formuler des vœux pour que cela continue. Et je vois que ça continue à travers votre engagement à l'UIT. Vous participez aux travaux de l'Union internationale des télécoms depuis 1996, je comprends. Et donc, vous avez vu les négociations internationales partir du domaine de monopole jusqu'à le domaine de concurrence et de compétitivité. Est-ce que vous pouvez parler un peu dans le contexte de la réduction de l'écart en matière de normalisation? Quels sont les éléments les plus clés dans cette transformation de négociation? Est-ce que les programmes de réduction d'écart en matière de normalisation ont eu un retour positif sur ces négociations? Oui. Alors, effectivement, il faut distinguer deux choses. Donc, la partie qui a trait aux négociations tarifaires, qui sont l'essence de la commission d'études 3, ou, comme vous le dites, la partie donc, de relations entre administrations des années 90, qui fonctionnait plus ou moins en monopole, n'existe aujourd'hui plus du tout. Et la commission d'études 3 a vécu ce changement vers de l'ouverture à la concurrence, de la concurrence entre opérateurs, de la distinction entre les activités d'exploitation et de régulation. Et donc, aujourd'hui, propose des recommandations qui sont autant de guidelines qui sont basées sur le consensus, donc qui permettent de procéder à des négociations, de proposer un cadre, si vous voulez, favorable à ce type de négociation. Alors au-delà, en matière de réduction de la fracture numérique, nous participons en tant qu'Orange pas seulement aux travaux de la commission d'études 3, mais à l'ensemble des travaux des commissions techniques de l'UIT. Et en ce sens, les efforts qui sont faits pour réduire cette fracture numérique sont particulièrement importants parce que, de notre point de vue, donc on associe des filiales des pays en développement à ces travaux. Ils trouvent ici à l'UIT à la fois l'information, les guidelines nécessaires donc, pour un certain nombre d'actions. Et aujourd'hui, on ne peut plus raisonner en disant simplement un opérateur ou un fabricant
travaille sur son seul marché national. On cherche à développer des solutions interopérables qui fonctionnent partout. Nos clients sont des customers qui voyagent, qui vont partout, et les recommandations en ce sens adoptées à l'UIT aident à fixer ce cadre général mondial qui est utile à l'industrie des télécoms, qui est utile à ses utilisateurs, aux consommateurs, aux entreprises qui utilisent. Donc, en ce sens, ces efforts de réduction de fracture numérique ont été très, très positifs. Super. Vous opérez dans combien de pays à l'international? En tant que tel, Orange est présent, on distingue la partie où on est directement acteur-opérateur, on est présent dans plus d'une trentaine de pays. Ensuite, vous savez que ce business est basé sur un certain nombre de partenariats, de services qui sont offerts aux entreprises. Et là, notre footprint est beaucoup plus grand, notre présence couvre de à peu près 70 à 80 pays, donc pour dire qu'on pense être un opérateur quand même assez important sur la scène mondiale. Très bien, donc l'UIT vous permet ou vous offre une plateforme de négociation ou de dialogue qui inclut tous les pays là où vous opérez. Tout à fait. Tout à fait. Et finalement, qu'est-ce que vous voulez passer comme message dans le cadre de cette célébration de la journée mondiale de télécom et de société d'information à tous vos collègues francophones? Je pense que le message que j'aimerais passer est un message d'optimisme, en disant qu'on sait que les activités sont concurrentielles, que le business n'est pas toujours très facile et il y a toujours des périodes qui peuvent parfois être plus difficiles, mais il y a également, il faut regarder vers le futur, et le futur, ma foi, s'annonce très très prometteur. Donc je pense que les prochaines années, si jamais j'ai le plaisir d'être réinterviewé, on sera là non simplement pour se féliciter de la réduction de la fracture numérique, mais surtout de discuter des promesses apportées par les nouvelles technologies comme la 5G, et je crois que l'UIT là-dessus aura beaucoup de travail, donc que vous appelez IMT 2020, beaucoup de travail, puisque vous êtes à la fois au cœur des travaux en matière de fréquence, mais également pour le futur développement de normes qui pourront exister pour un certain nombre de services, que ce soit en matière d'infrastructure des réseaux, comme en matière de ce qu'on appelle les secteurs verticaux qui vont être concernés par le développement de cette 5G. Dominique Vurgès, merci beaucoup.